Anicet Mbida est avec nous. Bonjour Anicet. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je le disais, l'innovation est très clairement liée à ces questions de mutation du monde du travail dont nous parlions avec le télétravail. Ça va plaire à tous ceux qui passent finalement la journée sur leur messagerie. On va pouvoir demander à son téléphone, et moi je suis très attentif ce matin, plus que les autres jours, on va pouvoir demander à son téléphone de nous lire nos mails à haute voix. Oui, depuis qu'on nous promet un assistant personnel dans nos téléphones, cette fois ça y est, on s'en approche vraiment. Imaginez, vous êtes en voiture ou dans les transports bondés, vous demandez à votre téléphone quels sont mes nouveaux mails et il va vous répondre. J'ai trouvé 8 nouveaux mails et un changement dans l'agenda. Votre entretien de fin d'année a été décalé à 11h. Oh. Il y a une heure, Jean-Luc Bavard a envoyé un mail à 50 personnes avec pour objet avis à la population. Son texte: on vous attend pour le pot de départ de Fanny demain soir à la café. Alors, j'aurais juste précisé que Jean-Luc Bavard, j'aime beaucoup son nom, et que Fanny reste avec nous, notre rendez-vous à la ferme tous les matins, il n'y a pas de pot de départ. Alors ça, c'est pas la même Fanny, mais celle-là, on n'aime pas trop, donc on va dire simplement effacer ou archiver. Et on peut même répondre au mail directement à la voix, et il passe au mail suivant. Il y a 10 minutes, votre N+1 vous a envoyé un email avec un fichier Excel en pièces jointes, titré « Urgent à valider ». C'est un mail très long. Donc celui-là est bien du N+1, donc on marque non lu à suivre et on attend d'être rentré pour le traiter. Donc vous avez compris, c'est très pratique pour ceux qui sont souvent en déplacement, qui veulent rester à jour de leur mail. Ouais, sur la route. Ça fonctionne avec toutes les messageries? Non, pour l'instant, ça marche uniquement sur Outlook et Office 365, mais Google devrait suivre assez rapidement. Alors c'est disponible dès maintenant sur les iPhones, mais en anglais. Pour la version française et pour les téléphones Android, il faudra encore patienter quelques mois. Mais c'est vraiment révélateur d'une tendance. On va de plus en plus se communiquer avec nos appareils sans écran, directement à la voix. Ça a commencé à la maison avec les enceintes connectées, ça arrive au bureau avec les mails.